Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelques exercices en fait de prévention de blessures pour tout ce qui est sport d'impulsion, des sports de puissance, donc tout ce qui est réception, de trouver un bon ajustement, un bon travail de qualité pour avoir un bon alignement au niveau de la rotule avec les pieds, dans tout ce qui est réception au niveau des pieds. Donc avec René, la physiothérapeute, nous allons voir les premiers exercices qui sont juste des sauts. Donc saut sur place pour commencer. Donc les deux pieds, largeur des hanches, les mains sur les hanches ou ils pourraient être aussi placés devant. Donc un saut sur place, on va chercher de la hauteur et on réceptionne. Exactement. Donc, mon genou reste en ligne avec les orteils. Il n'y a pas les genoux qui rentrent vers l'intérieur à la réception. Puis, on fait attention également à bien sortir les fesses pour ne pas laisser les genoux avancer pour ne pas mettre trop de pression au niveau de la rotule. Donc, si tu me fais un exemple de saut avec les genoux très, très vers l'avant, ça ne fonctionne pas. Donc, on veut vraiment un saut vers le haut et avec une réception avec les fesses un petit peu plus vers l'arrière. Parfait. Donc, première étape, bien contrôler notre saut sur place, avoir une bonne conscience, le poids est égal sur les deux jambes. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est la même chose, mais vers le côté, vers la droite, puis vers la gauche. Donc, avec un bon contrôle de cette façon-là, exactement. Dans les déplacements latéraux, ce qui est plus difficile, c'est de contrôler la position de réception, donc dans les différentes directions. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est la même chose vers l'avant et vers l'arrière. Donc, dans mon saut, toujours, la rotule au-dessus des orteils qui ne dépasse pas le pied vers l'avant. Puis, on fait attention à bien absorber notre saut également pour ne pas faire de bruit en atterrissant au sol. Donc, que nos mécanismes finalement d'absorption soient efficaces. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est très, très dur au niveau articulaire à ce moment-là. La dernière variation pour ce saut-là, donc sur place, on va faire un quart de tour vers la droite et vers la gauche. Donc, de cette façon-là. À la réception, même chose, bien contrôler notre réception sans laisser les fesses, le tronc tourner de chacun des côtés. Donc, ceci sont les exercices de base pour les sauts, les réceptions. Donc, on verra dans d'autres vidéos des façons de progresser cet exercice-là pour aller chercher un niveau de difficulté plus élevé.